Ah, bonjour les amis, je suis en hauteur. Voilà, donc on a reçu des plaques, donc des dalles lumineuses. Et là, le problème, c'est que ça, ces fixations-là, c'est fait pour mettre sur des supports métalliques, sur des faux plafonds. Vous savez où on met des dalles en fibre, comme on appelle ça, en minéral. Voilà. Donc pour commencer, faut mettre un crochet. Avec une vis sans fin, spécial placo, c'est une cheville spécial placo. J'en ai pas. Merci, je peux pas. Non, j'en ai pas dans ma poche. Ouais, ça fait une vis sans fin et vous le vissez avec une visseuse. Ouais, ça remplace la cheville métallique Molly, la marque Molly que vous connaissez bien. Donc, alors j'ai acheté des cornières à action. J'ai calculé en faisant un patron. Ben, le patron est là. En carton avec du scotch de chaque côté. J'ai repéré les trous pour percer ici là. Vous savez, vous mettez la vis. Et une fois que j'ai mis le patron avec du scotch de chaque côté, les trous étaient repérés. Alors j'ai pris une petite perceuse sans fil et j'ai percé tous les trous qui m'a donné l'axe pour mettre la cheville. Pareil, ici c'est une cheville plastique, hein. C'est la même que celle-ci. Voilà. Il faut voir tout à l'heure. Et alors donc les cornières là, je sais pas si j'en ai un, j'ai toujours pas de modèle, pas dans ma poche. Des fois j'en ai dans la poche. Non. Donc les cornières, j'ai calculé sur le carton et ça arrête à 5 mm ou je sais plus combien, 3 mm ici. J'aurais dû mettre 5 000, là t'es mieux. Là. Les cornières, voilà, elles sont pas appliquées le long. J'ai mis à 5 000, pourquoi? C'est pour les réglages. Parce que pour que le faux plafond suive avec l'autre, les réglages à faire. Alors donc là, j'ai pensé à mettre une vis en pointe, comme ça, qui ne dépasse pas trop, avec un morceau Ah, vous savez, quand vous dénudez, là, de gaine, quand on dénude. Donc il y a cette partie noire qui s'en va, alors vous découpez une rondelle et vous la vissez dessus. Ça va être une vis de 7 mm. Ouais, ça va être du 7. Voilà, pareil par là. De 7, pourquoi? Bah parce que je rentre la vis dedans, comme ça, clac, et après je le rabats. Et après je mets une goupille, je sais pas si vous la voyez. Ouais, voyez là. La goupille, elle rentre. Voilà ce que j'ai fabriqué avec un morceau de fil de sèche-linge. Donc, je le rentre dedans. Oh, bah rien. Donc, je le rentre comme ça. Et la forme qu'il a, ça rentre comme ça. Regardez. Voilà. Elle est coincée. Et voilà, c'est fini quoi. Alors, la transfo, il se met dedans. La connexion, je vous fais pas voir. C'est pas terrible. J'aurais dû mettre ça dans une boîte de dérivation, mais comment faire? Ah, il fallait que je fasse un second trou parce que les transfos, je ne peux pas les mettre entre deux. Ils sont trop épais. J'aurais voulu le faire, hein, puis mettre une boîte de dérivation, mais la personne, elle veut pas parce qu'elle a peur que la dalle soit trop décollée du plafond et que ça se voit à l'espace. Alors, c'est infime, hein. C'est quand même infime parce que ça serait de l'ordre de 1 cm de plus. Bon, bref, faut toujours respecter les. Essayer de respecter le plus possible, dans la mesure du possible, technique, sans enfreindre la sécurité. Bien que là, bon, il n'y a pas de boîte de dérivation, mais ça revient au même. Ouais. Bon, je vais regarder si que tous les. Je sais pas si vous les voyez. Tous les fils sont là, sans boîte. J'ai vérifié que les dominos soient extrêmement bien serrés, bien serrés, bien emboîtés dedans, qu'il n'y a pas de problème. Parce que bon, bah, s'il y a un problème, bah, au pire, il y a une lumière de faux plafond qui ne fonctionnera pas. Et sous, ou celle-ci. Alors donc, je l'ai démonté. Bon, de toute façon, j'avais un autre problème, j'en ai profité. Cette lumière-là, elle ne fonctionnait pas, vous n'irez jamais. L'ampoule a décidé de tomber en panne et en tapant dessus, elle se rallume. Donc c'est un problème électronique de cette ampoule.
Alors que je pensais que c'était moi qui avais fait une que j'ai mal serré un domino. Qu'est-ce que je vais dire encore? Ben voilà, c'est tout. Hein. Alors donc j'en ai fait deux de chaque côté. Alors, et à l'avant. Ah, pour les faire. Ben, j'ai pris un bout de fil de fer, comme ça. Ça peut être n'importe quel fil de fer. Ça, c'est un sèche-linge qu'on replie, là, qui coûte pas cher. Puis avec la pince, j'ai travaillé, simplement. Alors, il faut prendre une grande longueur, hein, parce qu'une petite longueur, vous avez mal au doigt. Une grande longueur, vous avez plus de force. C'est comme un levier. Donc, j'ai commencé par tordre le premier à 45, voire à 90 degrés. Le deuxième à 90 degrés avec la pince. Le troisième, alors ça fait un tordu là. Tordu là. 1, 2, 3. Le troisième, tordu aussi à 90 degrés. Et après, j'ai mis la pince ici et j'ai tourné autour de la pince. On voit la forme de la pince, voyez? Tac. Voilà. Tournez autour de la pince. C'est-à-dire que le fil de fer est coincé là et j'ai tourné à fond. Pour faire une boucle. Ah, c'est dingue. J'ai eu pollen en ce moment. Ou de la pollution. Un des deux. Qui me gratte les yeux. Voilà. C'est tout. Ouais, j'ai fait le tour. Donc le système approuvé. Ah, je ne sais pas si vous voyez. On le voit là. Et l'autre. Ah, vous voyez mieux. J'espère que vous verrez mieux. Voilà. Non. On voit la vis qui dépasse un peu derrière. Voilà. On voit rien. Vous voyez quelque chose? Je fais ce que je peux. Voilà, on voit la vis qui dépasse. Voilà. Qui rentre dedans. Quoi. Voilà. Bon, écoutez, abonnez-vous s'il vous plaît, que je fasse au moins 1000 abonnés. Et puis bon, je vous souhaite une excellente bonne semaine. Allez, au revoir à tous, de tout cœur.